כן, שבת, פרק 21, דף קמ"ב עמוד א', שבת, שפיט ונמתם, פרש 142, לעילוי נשמת הנפטרים, רבי דוד ניסים בן אישה, רבי דוד בן אסתר, רות אלכסנדרה חיה, אסתר חיה בת לונה פטריסיה, ולעילוי נשמת מחלוף בן תודה. חיים, לא, לעילוי נשמת מחלוף בן אסתריה. בן אסתריה. גם לפואת כל חולי עמו ישראל בכללם, לגדית שירה, חבר, לגדית גאולה, ואסתר בת לונה, וחיים בן רחמונה, וחיים בן מסעודה, וחיים בן מסעודה. בן מסעודה, טוב. Alors, hier, ça, bon, Tania Kevate de Rabat, je reviens là-dessus uniquement pour préciser certaines choses. Si vous vous rappelez, Rabat a dit que la chaîne c'est Even Abaldinar Lo. Et la Gemara a posé la question. Pourquoi pas Dinar? Si Even est permis, Mishum Gagua, Mishum Gagua, Shimai et Misukan Audioter. Dinar aussi. Elle dit non. Even. אם נפלה, לא ייקח אותה, ולא יטלטל, donc il ne va pas du tout être ramené à la transporter, tandis que le dinar, s'il tombe, le père, il va la lever. De quoi on parle? On parle du père qui transporte l'enfant. Alors, quand on doit apporter une tania kevate des rabbins, il faut apporter exactement le même scénario pour que ça soit un support de rabat. Alors c'est pour cela qu'il a apporté, mais s'il transporte un homme, lequel homme il porte des habits sur lui qui sont pliés, c'est assourd. Mais s'il est la bouche même, c'est moutard. Pourquoi la bouche? Ils ne vont pas tomber. Donc, Tania Kevate de Rabba. Voilà, donc on a établi le parallèle entre Rabba et la Braïta. Bon, maintenant, on a dit dans la Mishnah, Metatelin, Teruma, Temea, Aima Teora. On transporte la Teruma qui est impur avec la Teora Shabbat. Or, la Teruma Temea, elle ne servira à rien. Et si elle ne sert à rien, c'est Mouktse. Si c'est Mouktse, pourquoi il faut la transporter? Il ne faut pas la transporter. Comment elle est Aima Temea, Aima Teora, avec la Teora? Alors, on va expliquer. Amar Rav Hasda va nous dire exactement de quoi parle la Mishnah. La Shanu et la Shetehora le matin utmea le ma'ala. Dans quel cas la Mishnah a parlé qu'on peut transporter la Teruma Temea avec la Tehora
Ce n'est que dans cette possibilité, quand la Torah est en bas du panier, et là, Téméa, elle est au-dessus. Ça va? Oui. Abba Teora le mala. Vitemea le mata. Qu'est-ce qu'il doit faire? Chakile la Teora, vishabikle la Temea. Il peut juste prendre la Teora avec lui et partir. Si la Teora est en haut et la Temea est en bas. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre la Teora. La Teora, et c'est tout. Et il laisse la Temea dans le panier. Sans avoir à la transporter. Mais s'il en a besoin et qu'il veut aller chercher la Théora au fond du panier, si elle est au fond du panier, est-ce que le fait qu'il en a besoin et qu'il va, il en a besoin, il veut le prendre, donc il peut le sortir d'en dessous le. Dans quel cas ça vous parlez être, mais ça va être Borer. Dans quel cas vous parlez? Non, c'est dans le cas où c'est Shabbat, bien sûr. Non, je ne sais pas. Où est la Théora, où est la Téméa? Ah non, dans le cas où la Théora, elle est en dessous et la Téméa, elle est au-dessus. Est-ce qu'il peut aller chercher la Théora à l'intérieur? Il doit transporter. Alors, comme il transporte la Théora, il transporte en même temps la Téméa. En même temps la Téméa. C'est ça ce qu'on dit. D'accord. Alors, maintenant, si la Téméa était en haut, en bas, et la Théora en haut, on a dit qu'il prenne la Théora. Simplement prendre la Théora. Ouais. Oui, il n'y a pas Borer. Non, c'est ça. Pourquoi il n'y a pas Borer? Parce qu'elle est en haut, il prend le banc, il laisse le banc. L'Ochel est en haut. Voilà. L'Ochel est en haut, l'absolète se trouve en bas, donc il n'y a pas de Borer. Ouais. Non, voilà. Rabbi, on a dit que le banc est en bas et le mauvais est en haut. Ce n'est pas ça du tout. Alors que si le banc était en haut et le mauvais en bas, Il y a un problème à transporter la Téméa. Oui, mais il va prendre le. Il n'y a pas le Borer. Moi, je parle du Hénien du Borer. Si alors, le banc est en haut, il prend le banc, il laisse le mauvais. Et même si le mauvais est en haut, il peut prendre le banc qui est en bas et laisser le et laisser le haut. Comment il va faire? Il est obligé de déplacer le mauvais. C'est pas bon. Il va bouger le ce qui est en haut et ce qui est pas bon. Et il prendra le bon. Alors, la Gemara dit dans le cas, comme tu as dit toi, Rav Hasda, que le bon est en bas et le mauvais est en haut. Alors il dit. Si la Théora est aussi le matin, le chadien ou qui n'a qu'à jeter, c'est-à-dire renverser la calcala. Oui, exactement. Veli naktin ou qui n'a qu'à prendre le bon et laisser le mauvais là-bas. Alors, dans tous les cas, la Gemara veut dire que Rav Hasda n'a pas eu raison de nous donner ce différent, ce distinguo. Lâche à nous. Je n'ai pas parlé dans la Mishnah de cette possibilité que dans le cas où la Théora est en bas, la Téméa est en haut. Ça, c'est ce que dit Rav Hasda. Avant la Théora en haut et la Téméa en bas,
Il ne peut pas transporter. Pourquoi? Parce que qui n'a qu'à prendre la Théora et laisser la Théméa à sa place. Ouais. Alors maintenant, la Gemara revient à la charge. Il dit, même quand la Théméa est en haut et la Théora est en bas, il a la possibilité de renverser la Kalkala de telle sorte qu'il va y avoir le banc en haut, il va le prendre et laisser la Théméa. Ouais. Sans avoir à séparer, à transporter. Amar Rabbi Elai, Amar Rab. Vous vous rappelez hier, qu'est-ce que nous avons dit? Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas renverser. Pourquoi? Parce que Mitkanassim, ils sont fragiles ces fruits, ils peuvent se salir. Voilà, les fruits qu'il y a là-bas de la Théora et la Théméa, ce sont des fruits qui sont très, très délicats et ils vont être abîmés. Abîmés. Oui. Alors, il dit Amar Rabbi Elai, Amar Rab et Perot Hamitan Nefumaskin. On parle de perrottes qui subissent, n'est-ce pas, des dégâts. Ils sont endommageables. Si les perrottes sont endommageables, je ne peux pas du tout les renverser, les jeter, faire ce que tu m'as dit. Gemara objecte, il y a une objection. Métivé. Métivé, ça veut dire. Contradiction. Non, pas contradiction. Opposition. Objection. Un autre Braïta. Quelle est la Braïta qui lui amène? Il lui dit voilà. Métaltéline. Teruma, Temea et Mateora. La Braïta dit, on transporte la Teruma, Temea avec la Teora. Veima Hulin, avec aussi, Hulin, ce sont les fruits qui n'appartiennent pas du tout à la Teruma. La terouma, c'est seulement le Kohen qui la mange. Kohen, Kohen, ou n'importe qui mange. Ouais. Kohen. Ça va? Oui. Kohen, c'est-à-dire, c'est profane dans le sens que ce n'est pas Kodesh. La terouma s'appelle Kodesh. Et du fait que c'est Kodesh, c'est seul le Kohen la mange. Même le Kohen ne la mange pas. Il peut l'utiliser comme combustible, comme nous avons dit. Est-ce que Choline est associé à Chol? Comment? Est-ce que le mot Choline est c'est associé au mot Chol? Oui, oui. Oui, ok. Et alors, avec les houlines, ben chez Tehora les mala, ou Tmea les matins, ben chez Temea les mala, ou Tora les matins. Que la Teruma Tehora, regardez ce que ajoute la Braïta, que la Teruma Tehora soit les mala ou les matins, on transporte. Et toi, tu me dis, toi, Rav Hasda, dans quel cas on peut transporter? Et là, chez Atéora, il est matin. Les matins. Et là, chez Atéora, il est matin. Est-ce que... Il y a une contradiction, là, si ça vient de Rav Hasda. Voilà. Ils ont ajouté Choline, mais on ne fait pas attention à Choline, parce que...
Le fait qu'ils ont ajouté Choulin, ça ne doit pas changer le cas. Parce non. que la théorie reste les matins. Encore Choulin, ça passe. Oui. Ça passe. Pas de différence. La témé avec Choulin. Alors, Tiouvta, c'est une objection forte. Généralement, quand la Gemara dit Tiouvta, on ne peut pas le contredire. C'est qu'il n'y a pas de réponse. De réponse. Tiouvta, c'est sans parade. Il ne peut pas se défendre. Donc, Tiouvta de Rav Hasda. Rav Hasda a été contredit complètement, défait complètement. Mm-hmm. Bah, Rav Hasda, il dit non. Amar lach Rav Hasda. Rav Hasda te dit, de quoi tu parles? Moi, je parle d'une chose, la Braïta parle d'autre chose. Bataille. Rav Hasda, il va se défendre parce que le panier dans lequel il y a Teruma Teora et Teruma Temea. Yeah, c'est Bassis. Teruma, il va aller vers ça, non? Bassis d'Avra Asura et Amutar. Je pensais qu'il allait se défendre comme ça, mais je n'ai pas regardé la suite. Alors, Rav Hasda, il va dire, quand il y a un kedi, comme le panier, on le retourne. Quand il y a un kedi, je pourrais avoir besoin de deux manières de ce kedi. Quels sont ces besoins que je peux avoir? Avec son panier, par exemple? Oui. Si je veux transporter le panier. Le comor gufo. Voilà. Oui. Le tzorech gufo ou le tzorech mekomo. J'ai besoin de la place où est-ce qu'il réside ce panier ou j'ai besoin d'utiliser le panier pour quelque chose d'autre. Alors, dites-moi maintenant de quoi parle Rav Hasda et de quoi parle la Braïta. Pourquoi Rav Hasda il est mahmir et la Braïta est materet? De quoi parle Rav Hasda? Il parle de tout. Parce qu'on a besoin du makom. Mirali. La Gemara qui permet de metaltel ce panier, c'est parce qu'elle a besoin du makom. Mais il nous a dit, si jamais la Teruma Temea se trouvait en bas, il ne peut pas bouger. Il ne pourrait pas le transporter. Et si elle ne peut pas bouger, ça veut dire que... Mouksé. C'est pas le Makom. Parce que si elle a besoin du Makom, il peut le bouger. Non, la Gemara, elle dit qu'on peut bouger. C'est Rav Hasda qui donne une seule façon. Et le problème est entre Rav Hasda et la Braïta. La Braïta, elle dit que ce soit la Temea en bas ou en haut, on peut transporter. Donc, elle se base sur mes comment. Voilà. Oui. Ouais. La Braïta se base sur le makom. Je dis la Gemara. La Braïta qui se base sur mes comment. Elle va dire les tzorech mes comment. Et Rav Hasda, c'est les tzorech les goufo. Voilà. Alors, donc, Tiouvta de Rav Hasda. Objection absolue pour Rav Hasda. Pourquoi objection? J'ai une réponse. Une réponse à Malak Rav Hasda. Ken.
Matnitin, le Tzore Goufo, la Mishnah, quand elle dit Metaltelin Teruma, Temea et ma Théora, quand la Théora est en bas, on peut la transporter. Déplacer. Ouais. Pourquoi déplacer? Parce que j'ai besoin du panier. Les tzorek goufo. Tandis que la braïta, elle dit les tzorek mekom. Il y a besoin de la place prise par le panier. Donc, il veut le déplacer. Et il peut le déplacer, que ce soit en haut la TMA ou en bas la TMA, peu importe. Voulez-vous revoir ça et poser des questions si vous les avez avant d'arriver à la preuve de Rav Hasda? Rabbi Saba, est-ce qu'on parle de la trouma qu'on parle? C'est minéchad ou c'est deux minimes? C'est des oranges et des pommes ou c'est si c'était des oranges? Qu'est-ce qu'on ferait? On ne pourrait pas les distinguer? Parce qu'ils ne disent pas qu'est-ce que c'est. Ils disent trouma théora, trouma téméa. Mais est-ce que c'est le même mine? C'est la même. On ne sait pas. Non, c'est tu peux différencier. Peux distinguer. Maintenant, est-ce qu'il y a un transfert de Touma? Est-ce que la Touma, elle transfère pas avec les aliments? Elle n'est pas transportable, Shabbat. Je veux dire, il touche, la Téméa et la Théora se touchent. Il ne transfère pas, il ne devient pas tout tamé? Il n'y a pas ça? Ils se mélangent. Non, ils se touchent, ils sont dans le même sac. Pourquoi est-ce que on s'élève? Le Ochel, il ne transfère pas. Il ne transmet pas le. D'accord. L'impureté n'est pas transmise par le. Pour manger. Autrement dit, si on veut prendre un fruit dans un panier qui est à côté d'un fruit qui est endommagé, le fruit qui est en bonne santé sera comestible. Je ne pourrais pas dire qu'il a été tamé par le fruit qui est endommagé. Ça? Je n'ai pas compris de quoi vous parlez. Comme dit Abraham, si dans le panier les deux terumotes sont mélangées ou l'une touchant l'autre, celle qui est tamée, est-ce qu'elle elle empiète sur celle qui est pure? Est-ce que je peux profiter de ça, je veux dire? Est-ce qu'il y a une influence au niveau de l'impureté quand les deux sont dans le même panier? Est-ce que ce qui est tahor peut être impurifié par ce qui est... Il y a des degrés de Touma. Oui. Dans la terouma, le rishon fait un chini. Deuxième degré. Alors, il y a d'abord le avatouma. Avatouma. Avatouma, c'est le père. Avatouma, c'est par exemple celui qui a touché un mort. Oui. Il touche un manger, un aliment. Il le rend tamé. Oui. Le rishon, il peut faire un chéni comme Touma. Un chéni. Ne peut pas. Un chéni dans la terouma, dans le kodesh, il fait chéchi, c'est tout. Ouais. Ok. Non, je suppose qu'il soit chéchi. Et l'autre est pur, il ne peut pas du tout. Pas de. Ouais, ok.
je comprends. Merci. Oui, c'est bon. Oui. Non, non, j'ai rangé les lunettes. Bon. Ça va? Oui. Alors, restons de manière à faire le parallèle. J'ai maintenant Rav Hasdai qui dit, moi je parlais d'une chose, je parlais de déplacer le panier comme la Mishnah qui parlait les tzorech goufo. J'avais besoin du panier. J'avais besoin du panier, alors je le déplace pour faire autre chose avec. Tandis que la Braïta qui a dit, dans tous les cas, c'est transportable. Tu mets avec ta or, qu'il soit en bas ou qu'il soit en haut. Elle parle de Tzorech Mekomo. Mekomo. Tzorech Mekomo, si j'ai besoin de la place, je le déplace. Alors maintenant, il faut que Rav Hasdai apporte une preuve à ses paroles. Oui. Alors, la Gemara pose la question comme ça. Maïd do hakeh de Rav Hasdai le okume matnitim le tzoregoufou. Quelle est la difficulté qu'avait Rav Hasdai d'expliquer la Mishnah seulement les tzoregoufou? Il le déplace pour l'intérieur. Non. Pour le panier. Goufo pour le panier. Pour le panier. Ou pour la ou pour la trouma. S'il veut la trouma, il ne peut pas le déplacer aussi. Et ben, ça veut dire goufo. C'est les goufo. Goufo du panier. Goufo du panier pour transporter ce qu'il a. Maïdo hake. Quelle est la difficulté? Quel est le dohak? Quelle est la difficulté qu'avait Rav Hasdai pour qu'il soit obligé d'expliquer la Mishnah et Tzorek Goufou? Baraba. Qui est Rabba pour Rav Hasdai? Son maître. Hein? C'est pas son maître? C'est son beau-frère. C'est son non, Rav Hasdai, c'est le beau-frère de Rabba. Beau-père de Rabba. Beau-père. Beau-père, oui. Beau-père. C'est pas mon cahier. Le Rav nous a déjà dit, j'ai écrit. C'est pas mon cahier. C'est pas mon cahier. Je suis allé à Shiva, j'ai pas mon cahier avec moi. Alors. Yeah. Je vais marquer le rab, il nous a dit déjà. Oui, oui. Et j'ai mis entre parenthèses Afrit. Hein? La frite. J'ai mis entre parenthèses Afrit. La frite, bien sûr, on l'a toujours, on l'a toujours reconnu. Bon, là-bas. Là-bas, il avait deux filles. Il avait deux filles. Il y avait deux élèves. Là-bas, et un autre, je pense, Mordoutra. Alors, il a dit à une de ses filles, lequel tu veux des deux, marier. Alors, il lui a dit, les deux. Baraba lui a dit, moi le dernier. Moi le deuxième. Effectivement. Il a été rapide. Ah, c'est... Fais-lui confiance. Yaakov est parti. Regarde.
Alors il dit Amaraba. Matnitin kevate. Daika. Il dit la Mishnah. Elle est medouilleket. Précise. Elle est précise. Comme lui. Comme Rav Hasdan. Medouilleket kevate. Et voici la Mishnah de Katane Sefa. Il dit à la fin de la Mishnah Ma'ot, Sha'alakar, Menaer et Akar, Vehen Loflot. Maintenant, si vendredi soir, quelqu'un avait déposé avant le Shabbat, quelqu'un a déposé de l'argent sur un oreiller, sur un coussin. Il a oublié là-bas. Shabbat. Il a besoin du coussin. Il a besoin de l'oreiller. Mais il ne peut pas. Il y a de l'argent dessus. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, la Mishnah nous dit Ma'ot Sha'alakar, l'argent qui se trouve sur le coussin, Ma'er est à car, qui n'a qu'à secouer le car, c'est-à-dire le coussin, Behen lo flot, et les Ma'ot vont tomber. Tomber. Ça va? Mm-hmm. Mais Amar Rabba Bar Bar Hana, Rabba Bar Bar Hana dit, oh, Amar Rabbi Hanan, au nom de Rabbi Hanan, lâchons-nous, et là, les tzore goufo, les tzore goufo, chez la car, il a besoin de l'oreiller, pour dormir avec. C'est ça, le mettre sous son la tête. S'il a besoin de mettre à la place du car quelque chose d'autre, il a besoin de sa place. Il y a une chaise ou un fauteuil qui doit venir là-bas. Il doit bouger absolument le car. Mais s'il est tzorech mekomo, mitatelo ve'odan alav. On laisse les sous dessus. Les sous, comme tu dis. L'argent sur le car et il transporte le car tel que qu'est-ce qu'il a dit Rav Hasda quand on lui a opposé la braïta qui dit que ce soit ben le mata ben le mala ben le mala. C'est moutard. Pourquoi? Parce que c'est. Mais gouffon. Mais gouffon. Mais comment? Si on peut bouger de n'importe quelle façon, c'est mais comment? Tzorech, mais comment? Mais on n'a pas répondu à la question de la Gemara. Pourquoi il était poussé, Rav Hasda, d'utiliser Gouffon? Voilà. Il me dit, c'est pas le tzorech mekomo. Rishan a mis le tzorech Gouffon. Non, mais il dit, c'est pas le tzorech Gouffon. Non? C'est pas le tzorech. Attends. Et là, le tzorech Gouffon. Avant le tzorech mekomo, mettant de l'eau vers Odan Alab. Oui, ça c'est l'oreiller, le cap. Mais la sefa, qu'est-ce qu'on a dit dans la sefa? La chanou, elle a le tzorek goufo. Aba le tzorek mekomo, metatelo. Et qu'est-ce qu'on a dit dans la sefa? Menaro. Menaro et... Le fait que dans la Sefa, il parle de Tseore Goufo,
quand il a dit Menaharo, il n'a pas dit le transport tel que. Décefa le tsore gufo, Rechan a mis le tsore gufo. Dans la Rechan, on a parlé des tsorech, c'est-à-dire que la braïta, elle était comme ça. C'est-à-dire. La Mishnah, Metatelin, et Taterumate Mea et Mateora. Et Barab Hazdaï nous a dit la Chanou, elle a Temea et les Mala. Quand on lui a opposé. Robert. Ok. La Brighton. Que Benatemea le Mala, Benateora le Mala. On a fait Tioufta. Bah, Rav Hazdaï dit non. Moi, la Mishnah, je parlais de Tsore Goufo. Tandis que la Braïta, elle parle de Tsorech. Mais comment? C'est ça la céphale. La céphale de la Mishnah, c'est Ben Temea, les Mala, Ben Temea, les Mata. Ah, ça, c'est la céphale. Que ce soit en haut ou en bas, c'est le même. Alors, c'est le Tsorech Mekomo. Mekomo. Rabat, Rab Hazda, il te dit, Rabat. Il explique Rab Hazda, il dit, qu'est-ce qui a poussé Rab Hazda à faire ce distinguo entre Temea le Mata ou Teora le Mata et le Tsorech Goufo. Pourquoi? Parce que nous avons la Mishnah qui, dans la Sefa, elle parle, si jamais le car, il a des ma'ot alav, il secoue le car pour laisser tomber les ma'ot. Parce que c'est pour Goufo. Ça, c'est pour Goufo. Alors, il dit, tandis que si jamais c'était les Tzorech Mekomo, et déplacer tout le coussin avec les maotes. La Sefa, quand elle a parlé de les Tsorech Goufo, la Risha aussi a été les Tsorech Goufo. Les Tsorech Goufo, c'est-à-dire la Mishnah qui dit Temea le Mata Asur, parce que c'est les Tsorech Goufo. Mais si c'était Tehora le Mata, c'est bien de transporter les Tsorech Goufo. Autant. C'est le pas chute. Avale, tchèk la chèvette al zé. Mal le pas chute. De voir toutes ces démarches. La démarche dans la Sefa. Ou mi de Sefa les Tsorech Goufo. Rechana mi le tsorech kufo. Lisez Rashi, Maïdo Hake. C'est quoi la difficulté? Qu'est-ce qui a poussé? Rav Hazda. Lisez le mémar la chanou. Il a été obligé de nous dire la Mishnah ne parle que de Temea le mal. Et ça que d'artar, ben chetemea le mala, ben chetemea le mata. Il dit, on n'avait qu'à laisser la Mishnah telle qu'on aurait pu penser au départ. Temea et mateora, c'est-à-dire la temea, qu'elle soit en haut ou en bas, on transporte. Alors qu'est-ce qui l'a poussé à dire non? La temea, le mala d'Avka. Le commis veut s'arrêter l'imkomo et nous obliger de dire ben temea le mala, ben temea le mata, c'est le tsorech mekomo, non pas le tsorech goufo.
אלא לצורך גופו שצריך לקר לשכב עליו שם ולא לסלקו, il avait besoin de l'endroit, du car à l'endroit où il était. Ça va? Pour dormir. Velo les saléco, il n'avait pas du tout envie de le déplacer. Défichach lo itiru lo litelo imamaot. C'est pour ça qu'on n'a pas permis. Ella menaro bimkomo, il doit le secouer à sa place. אבל צריך למקום מקר מטטל הכל ביחד, משיל הבזמן, de l'endroit de lui-même, du car. Il peut tout déplacer. Voilà. Là où vous avez buté, c'est Midereisha. Voilà. Midesefa. Reisha n'a mis les tzoregoufou. Il car. Yahava te aura les malas, la vichari. Si la théorie était en haut, n'aurait pas été du tout permis. Il peut pas du tout le faire. Il ne peut que transporter le héter. Ce qui est permis. Donc, dans la Mishnah, où Rabbi Rav Hasda nous a dit, dans quel cas ils peuvent transporter ensemble. Quand la Théora est matin. Quand la Théora est le matin. Et Tzarich, le Goufo, il a besoin du Gouf, du Kili lui-même, à sa place. Il ne veut pas du tout. Secouer les. Parce que ça serait mais comment? Non. S'il secoue les pièces, c'est parce qu'il a besoin de l'oreiller. Ça, c'est gouffo. Il a besoin. Quand il secoue, il a besoin de l'oreiller à la place où il est. Ah, qui? Ah, donc c'est un mais comment? Non, à la place où il est. Le gouffo. Il n'a pas du tout bougé le car. Ah. Non. Donc il a besoin de l'endroit. Ah. Est-ce que Rabbi, parallèlement, quelqu'un qui aurait oublié de séparer ses pochettes de téfiline de son sac où il met le talit aussi, et il a besoin du talit et ses shabbat, mais les téfilines sont au-dessus. Alors, il aurait le droit de déplacer pour prendre le talit. Il peut pousser les téfilines. Oui. Le talit. C'est ça, hein? Ça ressemble un petit peu à ce qu'on vient de dire. Voilà. Oui. Rabbeinu, juste pour un diouk, quand Rav Hasda, il permet de mettre taltel quand la touma elle est en haut de la théora. C'est comme avec l'oreiller et les pièces qui sont en haut, quand on est en train de tout bouger, on laisse les pièces en haut. C'est ça la connexion qu'il a fait. C'est ça, il laisse. On laisse les pièces, c'est comme si on laisse la touma. Il mène à air. Ce coup. Il a besoin de. Mais comment air. En ce moment, il est mène à air. Mais quand il a besoin du makom, c'est-à-dire qu'il veut vider l'endroit. Du car, il prend le car avec les maottes. Voilà. Mais. A-t-il des questions? Non, mais il faudra qu'on travaille dessus. On s'arrête ici, Rabbeinu? Je pense que oui. Baruch Adonai le Olam. Amen ve Amen. Amen ve Amen.